Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Binding of Isaac. Donc là, on va faire le premier challenge sur les 20 d'aujourd'hui, qui se nomme Pitch Black. Je ne l'ai jamais fait, on va tester ça tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Curse of Darkness. Ah d'accord, donc ça va être ça. Donc j'ai vu que le son de micro était mieux, c'est sûrement parce que j'ai dû télécharger un logiciel qui a amélioré, ou alors c'est allé mieux comme ça. Je sais pas si c'est allé vraiment mieux, mais bon, espérons. Donc j'espère que le premier épisode vous aura plu, hein. Si vous a plu, n'hésitez pas à le dire, ça m'intéresse de le savoir. C'est pour vous, l'image et tout était bonne. Pretty fly. Voilà, alors tout de suite, au début c'est souvent plus dur parce qu'on n'a pas de dégâts. Ah, je vois pas mes PV. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. J'aurais pas dû prendre ça. Très mauvais. Je vois pas mes HP en plus. Ça me paraît assez grand pour un Curse of Darkness là. Ah ouais, j'ai déjà 6. Oh là, bizarre. On va pas gaspiller mes points de vie vu que je sais pas j'en ai combien. Je sais pas si c'est dû à la salle ou si c'est comme ça tout simplement. On va revenir ici pour prendre ça juste après. J'ai pas envie de le perdre sur un coup bête. Fame. Ok. Première fois que je vois un chevalier de l'apocalypse dans cette version. Je vois rien. Oh là, je vois que dalle. Ah, il a changé de nom. Avant c'était pas Faming, c'était je sais plus quoi. Mais... En tout cas, j'aime bien sa nouvelle tête. Hein. Cube of Meat. C'est vraiment bizarre ça que. Enfin, si c'est le. Oula, non, je passe pas par là, moi je suis pas fou. Est-ce que j'ai juste oublié ici et puis c'est tout? Ça va être chaud parce que si c'est comme ça tout le run, ça va être vraiment chaud hein, de ne pas voir ses HP. Donc si je réussis pas, c'est pas grave, on le retentera dans une prochaine vidéo. Hein. Oh, mauvaise idée. Oh, merci de l'avoir bloqué. Merci toi aussi. Non, je vois vraiment pas mes HP. Hein. Là, je crois que je suis à 4 coeurs, mais j'ai perdu un coeur entier là pour le moment. Être prudent, toujours. Deux clés, on y va, allez. Ça. Face up. On va prendre celui-là. Je sais pas ça à quel effet, mais on va bien tester. Ça va peut-être nous donner, je sais pas, des petits bonus. Je sais qu'il y en a un Mario aussi.
Ça c'est un moyen de passer. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pris Libra que ça m'a donné autant de... clés, etc. Peut-être. Ok. Ah, j'ai fait l'idiot, j'aurais dû l'utiliser pour détruire des rochers. Aucune idée, c'est pas par là, donc c'est... par ici. De toute façon, ça me permettait d'avoir ça. Moi, je me casse parce que sinon, ça va faire nouveau. Ah non, c'est pas là. Étonnamment. C'est pas grave, hein, on va pas tenter le diable en allant dans la salle... dans la salle sacrifice. J'aime pas ce boss. Il est long. Et je sais vraiment pas où il va à chaque fois, moi. Il va dasher. Ah non, il dash pas. Pas encore, du moins. Là, il va pas tarder à dasher. Ah bah non, il est mort, donc il dashera pas. Ça, au moins, c'est fait. Ah, nice. Toujours plus de vie. Oh, oh, je crois que j'ai oublié de visiter des salles. C'est pas grave. Non merci. Là je sais que je suis full lui parce que je peux y aller. Nice un dime. Si je trouve une boutique ça va être marrant. Allez. Ah flûte, là je me suis fait toucher. C'est dommage. Oh oh, lockdown, c'est pas grave. J'avais pas de chance déjà. Donc en dessous de zéro on peut pas. Oui, oui, moi je sais, je joue la chance. Hein. Faut pas que ça me touche. Là, ça va, je suis full life. Ce que je voulais faire, c'est le faire exploser, mais ça n'a pas marché, on dirait. Il s'enfuit, fermez l'enclos. Les volets. Détruisons tout ça. Moi je dis ici. Nice. Alors on est à combien là? On est à Kevwan. Ok, détruisons tout ça. Ah oh, j'aime pas ce genre de salle. Toi avec ces créatures. Allez, mets-toi sur ma ligne. Allez, je prends mon temps, j'ai pas envie de me faire toucher. Là c'est un challenge. Ce serait bête de perdre pour un demi-cœur.
prends vraiment pas trop de risques, hein. Vraiment désolé si vous aimez pas ça, mais toujours jouer safe au début, surtout pour les challenges. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Celui-ci, j'ai jamais compris l'utilité, mais... Pourquoi pas. Là, je touche pas. Salle secrète. Non. Le boss déjà? C'est quoi cette salle qui te... Ah non, non, j'ai rien dit. Excusez-moi, j'ai rien dit. Gueulé. Ah, flûte. Voilà. On esquive. Hop là. Hop là. Et ben non. Fromage. Holé. Toréador. Et voilà. Comme j'ai pas de dégâts, c'est un peu long. Ah. Donnez-moi quelque chose de bien. Voilà. Ça c'est bien. Le reste je ne prends pas parce que je ne suis pas fou. Ah, flûte, j'aurais voulu faire quelque chose d'autre, mais je me suis fail. Voilà. Bon, si c'est ça que le, si c'est que ça le challenge, ça va, c'est pas trop dur comparé aux puristes. Voilà, j'ai perdu quelques points de vie. J'ai pris ça parce qu'en même temps ça donne deux cœurs spirituels. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Binding of Isaac le 1. Les cœurs spirituels sont comme des cœurs rouges, mais sauf qu'ils ne peuvent pas être régénérés. Donc voilà, c'est des cœurs bonus si vous voulez. Il y a une nouveauté dans celui-ci, ce sont les cœurs noirs. Qui quand un cœur noir est détruit, fait des dégâts dans toute la salle. Je crois que vous l'avez remarqué dans la précédente vidéo. Donc là, j'ai un cube de viande autour de moi, en fait, ça s'appelle des orbitaux. Les orbitaux servent à parer les dégâts et à faire également des dégâts quand ils se font toucher. Enfin, quand un ennemi les touche. Ah, nice. Je prends juste ça, vous inquiétez pas, c'était juste pour avoir les bombes. Parce que j'en ai pas besoin. Ok, le boss ici. Je peux pas le prendre? Non, ouais. Comme je dis, je suis vraiment pas très fort, hein, mais là je commence à reprendre un peu. Mais... La première partie que j'ai fait, c'était catastrophique. Hein. Oups. Des pics, salle secrète. Alors l'autre côté. Il y
Il y a un objet que j'espère vraiment revoir dans celui-ci, mais normalement il devrait y être, c'est Epic Fetus. Qui au lieu de lancer des larmes, lance des missiles qui font méga méga mal. Voilà. Bon bah j'ai vraiment pas de dégâts boost normalement. Ouais j'ai pas beaucoup de dégâts hein. Mais bon, ça devrait suffire pour finir. Je peux pas les récupérer. Oh, première fois que je vois cet objet. Synth up. Ok. Ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir les pêchés ou quoi? Les pêcheuses sont également des petits boss qu'on peut rencontrer comme ça. Bon ça, ça m'intéresse, allez. Alors eux ils sont vraiment chiants je trouve. Voilà, mais bon ils ont pas eu le temps. Mais sinon ils sont vraiment chiants. Oh merde. Pardon. Ok rien d'autre. Pourquoi pas. J'ai pas de dégâts augmentés. Ah la salle d'arcade. On est à quelle salle? On est à Cave 2. Oh. What? Je suis un mongol hein. J'avais oublié que c'était ma touche pour les bombes ça. Oups. Ah. Oh, nice. J'ai un cœur ici. Je peux pas le prendre, donc on va utiliser ça. Je vais voir si je peux aller prendre un autre cœur. On va voir si c'est toujours buggy ou pas. C'est toujours buggé, ça c'est nice. Ce que je fais en fait, c'est je me colle à lui comme ça, au lieu d'avoir une fois, j'ai droit à deux fois pour un demi-cœur, comme ça. Voilà. Hi Princess. Oups, mauvais. Télépills. On va garder la deuxième télépills. Pretty fly. Pheromone. On lui retire ça pour la dernière clé. Je m'en fous. C'est une clé là-haut. On va aller la chercher. Je veux mettre tout de mon côté en fait. Là. Je vous le dis. J'avais déjà pris, mais il y a une pièce ici. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Là ça fait que j'ai 3 orbitaux, je crois que le maximum est de 3 orbitaux et de 6 familiers qui peuvent nous suivre. Mais je ne suis pas sûr de ça donc... Bon. C'est parti. Là, il va cracher. Je crois que vous l'avez pas encore vu en vidéo celui-ci. Il va pas tarder à me sauter dessus normalement après celui-là. Allez crash. Ah non non il fait que ça d'accord. Moi ça me dérange pas. Hein. Non c'est bon. Ça fait du bien, ça fait de la lumière. Voilà.
Pentagram, yeah, yeah. D'accord. Donc là, j'ai un cœur ici. J'en ai juste un là, d'accord. Pas grave, je perds deux cœurs. Et ça me va. Ah ouais, merde. C'est deux cœurs spirituels. Allez, essayons la télépile. D'accord, ça me place ici. Juste à côté, quoi. Le truc le plus utile. Donc on va utiliser... Donc j'ai le droit à 4 coups. Donc... Alors j'ai juste le droit à 2 coups. J'en prends plus. Encore. Ok. Et j'ouvre ça. Pour ça. Qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça augmente ma vitesse. Et qu'un, il y a plus qu'un peu mon neveu. Voilà. Bon. J'ai un peu trop gridé, mais c'est pas grave. On va aller récupérer un de nos deux cœurs perdus ici. Et maintenant, on peut descendre dans les catacombes. Non. Deft. Je sais pas comment il l'appelle. Ouais, Deft. Oh, d'accord. Grande salle des deux côtés. Avec le poison, ça permet de les toucher derrière parce que après ils marchent dedans donc ils sont bêtes. Bon, c'est pas grave. Au moins, s'ouvre la porte. Oups, je vais te mixer comme ça. Oh, excusez-moi. Ah, je me suis pris 2 hits, non. 3. Ah, je vais mourir. On va garder ça. Première fois que je les vois. Non mais je vais mourir là. Oh, j'ai fait n'importe quoi. À cause de ça je vais perdre. C'est à la fin. Ah! C'est bon ou j'ai entendu le pied de maman? Ça s'indique une trinquette. Voilà, un peu de concentration. Ceux-là ils sont trop marrants je trouve, on dirait qu'ils sont dans un costume, mais non en fait c'est leur corps. Ils sont gros. Tout gros, plein gros. Bon, ce jeu est toujours aussi gore, hein. Il faut pas... On peut pas le nier ça. Hein. Ah, ça m'énerve de pas voir ma vie là. Me demandez pas comment j'ai... Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'espère que ça va pouvoir m'être utile contre Mob. Et voilà, la clé. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi j'ai autant de dégâts? C'est une blague? Ah, la vie. Ça va, je suis full cœur. Ok, marche pas. Bon, là je peux vous dire j'ai beaucoup de dégâts. Normalement je suis à full dégâts là. Oui, je suis full dégâts. Je vais finir ce challenge. Hein. Alors encore plus avec ça. Ça c'est très 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 bien cet objet. Première fois que je le vois mais...
excellent. Donc ça c'est un coffre en pierre, pour pouvoir l'ouvrir, il faut le détruire avec une bombe, obligatoirement. Ok, dégâts. Cet objet OP. Oula, on se calme hein. Ouais, je me touche tout seul là, mais là. Ah, je me. Ouais, on avait compris. Non, toujours fermé. Je suis toujours pas full vie, je crois. C'est bon, je suis full vie. J'ai pas envie. J'ai tellement de dégâts. Là, je peux pas perdre. Hein. Je vous le dis tout de suite, la win est assurée pour cette vidéo. Je dis ça, je me fais toucher comme un gros mongol. Monstre 2. Oh, les dégâts. Pour ceux qui connaissent Binding of Isaac, ils savent que ça c'est un peu de dégâts quoi. Joyce, c'est une blague. Encore plus de dégâts. Non. J'y crois pas. Allez, finissons celui-là. Les niveaux. Mais je crois que le bug des dégâts supplémentaires, enfin des dégâts au-dessus de ce qui est dit, ça n'existe plus. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va enchaîner ça pour essayer de débloquer Ken. Non, bah voilà. En fait, j'avais déjà débloqué Kane, hein, je crois. Putain, moi qui pensais avoir Skatol. On va faire un peu de ça jusqu'à avoir Skatol. Non, une bombe. Non, merci. On fait juste ce coucou, sinon ça m'a. Si ça marche pas, on laisse tomber. On fait jusqu'à 80 pièces. Ah, Skatol. Milieu. Yes! J'ai pas de caca sur la tête. Maintenant, les mouches qui sont agressives de base, celles qui clignotent en rouge, ne m'attaqueront plus. C'est pas grave, j'ai perdu un peu de dégâts, mais normalement je meurs pas. Merci pour ce demi-cœur. Merci pour ce cœur complet. Ouais, j'aurais dû peut-être y aller ici en premier avant de prendre le cœur. C'est moi ou elle essaye de me taper? Ah, j'avais zappé ça. Oula, 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 oula. Le boss est là-bas. Ah, c'est le trésor ici. Oh non. Oh non. Plus OP, c'est pas possible. On va faire un peu le tour encore. Hein. Normalement, je devrais pas pouvoir mourir. Et je serais vraiment déçu si je peux.
fait, à chaque fois que je tue quelqu'un, ça fait une araignée. Plus OP, s'il vous plaît. Et plus d'objets, surtout. J'ai déjà fait le tour, je suis con. Alors, ah non, je peux pas les sniff. Nice. Bon, maintenant, c'est une formalité, hein. Même monstre 2. Il a plus 5 qu'il n'a jamais été, quoi. Oh. Bon bah moi je dis premier challenge réussi. Bah on y est pas encore. Plus j'ai carte def à pouvoir utiliser après. Vous allez voir les dégâts que je vais faire à Mom, elle va rien comprendre. Y'a quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est bien. Hello Mom. Ben. Box stuff. The sun. Télépills. Alors voyons voir si je peux y retourner, j'espère, parce que sinon c'est la goutte, comme on pourrait dire. Hop là. Ouais. Ah, ça augmente le challenge, ça veut dire c'est plus dur. Run of Agarlaz. Débloquer un nouvel item, d'accord. Je ferme. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheusDead pour HTTP HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!